Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va vraiment super. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous aider à décorer votre setup gaming avec un seul objet. En fait, c'est une petite décoration très sympathique de la marque Cololite. Et si la vidéo vous plaît, les petits potes, n'hésitez pas à me péter la barre des likes, de me mettre un petit commentaire et de vous abonner si ce n'est pas fait. Et là, on va commencer la vidéo sans plus tarder. Sincèrement, ce que j'ai à dire sur le packaging, eh bien, je trouve que c'est très réussi de la part de Cololite. Ce qui est bon à savoir et que je viens de remarquer, c'est qu'en fait ce produit là est passé au CES 2019, et dans cette boîte au total on aura 3 pièces qui nous seront fournies. Sans plus tarder, je décide donc de l'ouvrir. Une fois tout ça ouvert, on aura le manuel d'utilisation qui va beaucoup me servir, c'est le cas de le dire, et il me semble également qu'il faudra l'utiliser à l'aide d'une application qui sera à télécharger, que ce soit sur iPhone ou Android. Après le manuel d'utilisation, on aura les 3 pièces que je vous ai parlé tout de suite, et pour terminer le tout, on aura des petites fixations qui sera à mettre dessus. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout ça après. En fait, j'ai rien dit, il y aura un autre accessoire qui sera le pied et on pourra y mettre les pièces dessus. Du coup, les petits potes, c'est l'heure d'installer tout ça et je vais pouvoir mettre les pièces une par une. Regardez bien la vidéo, vous allez voir que c'est hyper simple à tout mettre en place. Pour être franc avec vous, en 5 minutes, tout a été mis. Du coup, sans plus attendre, ce que je décide de faire, c'est de brancher tout ça. Une fois branché, vous pouvez voir que le rétroéclairage est mis. Je tenais à vous dire une chose avant de passer à la présentation sur l'application, c'est qu'en fait, il faudra paramétrer le produit à l'aide de l'application. En tout cas, je pense que j'ai pas besoin de vous montrer comment faire, c'est très très simple. Pour info, vous allez sans doute penser qu'il faut absolument l'application pour l'utiliser, sauf que c'est pas le cas. Je vous montre vite fait à l'arrière des Cololite. En fait, on aura un bouton pour changer les couleurs. Ou sinon, si on veut avoir plus d'options, eh bien là, faudra utiliser l'application. Pour vous dire, on aura plusieurs thèmes de couleurs, tout comme Aurore Boréale. On a le cirque, on a Instachair et années 80 et bien d'autres encore. Personnellement, mon coup de cœur sur les thèmes, c'est l'arc-en-ciel. Son prix, je vais pouvoir vous l'annoncer sur Amazon, on peut le retrouver à 53 €. Vous allez me dire dans les commentaires, est-ce que c'est cher? Moi, je trouve personnellement que le prix est justifié. Toujours dans l'application, si je le souhaite, je peux associer mon Google Home au Cololite. Et là, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis une petite musique d'ambiance et on peut voir que les couleurs bougent quand je mets une musique. Comme vous le voyez à la vidéo, et eh bien si je mets pause à la musique, et eh bien les couleurs vont s'arrêter de bouger. Et si je remets la musique, tout va se remettre comme tout à l'heure. Cette fois-ci, j'ai pu éteindre mes softbox et on peut voir que les couleurs sont très présentes. Aussi, j'ai oublié de vous dire ça, mais j'ai la possibilité d'augmenter ou baisser la luminosité. En soi, j'ai rien à dire, il y a des très très bonnes couleurs. Si je devais donner un point négatif au produit, c'est qu'en fait, il est en USB. Vous allez me dire que c'est pas très grave, et bien si, parce que moi, je voulais le mettre dans ma décoration. Et en fin de compte, j'ai réussi à le mettre dans mon décor. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Je pense que pour certains, vous êtes au courant que OK m'ont envoyé un bloc de multiprise. Et dans ce bloc de multiprise, en fait, il y a aussi des ports en USB. Et je peux vous dire que ça m'a sauvé la vie, parce que sans ça, j'aurais pas pu le mettre dans mon décor. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu ce qu'on peut mettre dans son setup gaming. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir au niveau des likes et des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis moi, sur ce, je vous laisse. C'était Pez. Bye bye tout le monde.